gâteau là. Ça, on va pas se mettre en train, c'est de la merde. J'ai une tête de dégénéré. C'est moi le crackhead en fait. T'as du gel hydroalcoolique lui ? Sinon. En fait, j'ai tout quoi. Je suis la pharmacie de France. C'est gentil. En même temps, je me suis fait une petite pochette. T'as mis ma pochette ? T'as mis nickel. T'as un slip dans ta pochette ? Ouais. Tu veux voir mon slip ? Non. Regarde. Un dégoût. C'est un slip vraiment ? Déjà porté. Non. Ça sent super bon. On va parler avec toi. Imagine, on n'a pas les valises ou moi j'ai un slip. Mais le Dastreint, hein, si jamais on doit prendre en chasse un Tourane. J'adore cette caméra. Oh, ça sent la bleue là. Ouais. Ouais. Ça sent la bleue partout. C'est notre premier petit déjeuner américain. Ouais. J'ai la dalle. C'est quoi l'hôtel après ? Alors moi, je veux savoir tous les matins, je prends ma douche. Ça a l'air très très bon ça. C'est bon ? Ça, c'est de l'os break que je veux. Ça remplit bide. Hein. Les bananes, elles sont trop bonnes. Je suis pas très banane de base, hein, mais elles sont très bonnes. Ouais, c'est bon. Mmh. Me régale. Mmh. C'est le grand kiff. Là. J'ai aimé manger un pancake aussi. Oui, tu vas adorer. Il est super bon. Et du coup, il y a des taxes dessus. Ça va bien un petit pourboire. Tu mets pas de tips parce que là, il y a des. Là, regarde, je cherchais un petit. Les taxes sont rajoutées à 10%, normal. Et ensuite, eux, ils ont un tips défini à 18%. 249$ pour 8 pour un petit déj, c'est excessif. Pourquoi on avait mangé ? Ah ouais, trop même. Ah ouais, bah ça, c'est sûr. Pas du tout, mais moi, j'ai pas regardé les prix. Ils font quoi ? Une manifestation. Pourquoi ? Je vois pas. Quand j'étais petit, je voulais être un pompier, mais plus ici. On enchaîne ? On visite. Ça te risque à quoi ? You know everything that gets me going. You know what I want. T'as déjà été une fois, deux fois ? Une fois. Et t'avais des bons souvenirs ? Oui, il y avait moins de craquettes à l'époque. Ouais, là c'est un enfer comment il y a plein de craquettes dans toutes les rues. Moi je les vois de ma chambre d'hôtel, en bas. J'ai l'impression que je suis habillée comme une putain de touriste. Quoi ? Une joggeuse aujourd'hui. Une joggeuse ? On va pas faire bien avec des joggeuses à ton père parce que. Ta gueule ! Un petit. Pas, mais un petit peu. Mais et alors, en fait, quand tu comprendras que la mode des joggings qui resserre, c'est finito. Ouais, mais c'est plus trop la mode non plus. Hein. Ouais. À part là, tu mets un. Non ? Gymshark. Oui, voilà, tu mets un petit legging avec des chaussettes hautes un peu. Ouais, bah, voilà. Comme toutes les meufs à l'aéroport hier. Voilà, c'est ça. On dirait au Portugal, là. Niveau senteur. Ah, bon, il a dit qu'on est au
Portugal. Mais au centre, de toute façon, je dis plus rien, moi, de toute façon. C'est vrai que je me prendrais bien une petite pastèche des nattes, là. Keep on, keep it on. I really wasn't sure what I... C'est encore un mensonge de TikTok. Sur TikTok, il y avait plein de petites lumières et tout, là, il n'y a rien. Il y a du mensonge hein, sur TikTok. On dit, oh, c'est super beau, c'est super beau. On a. Ça, après, j'ai fait tomber mon pied dans une flaque noire. Bah, ça pue pas. Peut-être que c'était du bibi de crackhead. Hein. Oui. Je dis, ouais, San Francisco, c'est super beau, Surtout de nuit, c'est magnifique. On arrive, des crackheads de partout. De partout. Le catamaran, c'est là-bas. Ouais, je sais. Comment tu sais? Les 37 où il y a les otaries. Moi, je vais aller voir les otaries. Hein. Je veux les caresser. Loïc, j'ai soif. Je dois faire pipi, j'ai soif, j'ai mal aux pieds. Tu veux bien me porter? J'ai mal aux pieds, j'ai mal au cul, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Je dois faire pipi et je dois chier. J'ai un effort. T'as eu ça où? J'ai fait du changement. Dommage. Oh, c'est dur. Moi je veux faire, moi je veux faire. J'ai peur. Ça masse? C'est où? C'est où? Lui il est drôle lui. C'est où? Ça va vite, ça va vite. Là. Il y a un docteur Maboul. C'était trop bien. Mais à l'ancienne. C'est pas énorme. C'est écrit baby. Ouais, ouais. Qui cherche à monter, tu vois? Ouais! Merde! C'était gros, loulou! Mais ouais, ils sont énormes! Mais regarde, il y en a un, il est sur tout le monde, regarde! Il est sur tout le monde, regarde! Ah, il est tombé! Il y en a un, il fait bronzer, ouais, regarde, avec sa palme et tout! Mais regarde, ils sont montés, lui! Il trouve pas de place, regarde, il est trop dégueu! Ce sont vraiment le fuck! Deuxième jour, et je suis tombée malade. Rien de grave, rassurez-vous. J'ai juste hyper mal à la gorge, mais de zinzin. Et là, je commence à avoir le nez qui coule. Aujourd'hui, j'étais dans le mal, mais fois 10 000. Mais on a été faire une grande balade à vélo sur le Golden Bridge. Et ce matin, enfin ce midi, on a visité Alcatraz. Un truc à faire à San Francisco. Hein. Je voulais vous faire un room tour, parce que là, ça va faire 3 jours qu'on est à San Francisco. D'ailleurs, on part demain. On rentre, hop, grand salon. Si vous voulez savoir quel est l'hôtel, c'est l'hôtel The Line. La déco est super jolie, vraiment. Vous avez un salon ici. Vous avez le grand canapé, une télé. Les télés sont immenses ici. Et là, on a une petite vue sur San Francisco. Et là, on a une vue sur les crackheads. C'est bondé de crackheads. Mais apparemment, ça s'est empiré ces derniers mois, dernières semaines. Du coup, là, c'est le salon. Et là, on passe à la chambre. Très belle chambre. Et là, on a toujours la petite vue sur San Francisco. Hop, et la salle de bain. Hop, voilà. Et ensuite, on a la baignoire ici. Vue... sur le lit. Et là, on a la douche. Mais regardez le carrelage de la douche. Je trouve ça incroyable. Il est magnifique. Je vais essayer de filmer demain si mon état s'améliore. Ça fait 2 jours que je suis comme ça.
Ça va, ours blanc ? Ouais, c'est la merde. Bah, on a une... Dans le malheur, on a eu un peu de chance, c'est qu'il y a un truc qui répare et qui change les pneus à l'entrée du truc de désolé. Le problème, c'est que ça ouvre à 10h. Après, ça se trouve, c'est un peu gâteau, mais c'est une vis en plein milieu. Ok, vas-y, recule, vas-y, vas-y, encore, là. Fait quoi, on avance ? Oh, lis ça, merde. C'est très mignon, hein. Mais y a pas une dame qui nous accueille ? Non, c'est... La porte du garage, elle est immense. C'est retour de la caméra. Pas plus longtemps. C'est trop beau. Alors, première pièce. Ah bah c'est une chambre. Ouais. Elle est trop mignonne, la chambre. Salle de bain, patio, c'est un placard. Putain, c'est beau. T'as des petites maisons comme ça pour faire des vacances, gros. C'est trop beau. Oh, la cuisine. C'est celle-là, chambre et salle de bain. Waouh. Ouais, je vais en avoir. Non, on fait des choses genre, vous posez vos doigts, le premier qui choisit, choisit la chambre qu'il veut. Ça va à tout le monde si on fait comme ça ? Donc le premier choisit sa chambre. Le premier, il va dans la chambre qu'il veut, le deuxième dans la chambre qu'il veut. Lui, tu vas dans la chambre que tu veux. Putain, on est en pleine nature. Ouais, c'est difficile. Mais il est où, Jacques ? Ah oui, j'avais pas vu. Vous pensez qu'il est ouvert ? Bah non, il est tout propre. Oh, on va pouvoir allumer ce soir. En fait, on va se faire. Il est où le barbecue qui est pas vu par contre ? Il faut que je dépose un truc. Tu dois déposer quoi ? Après, on fait quoi ? Je pense que c'est un gaz. Ouais, je pense que c'est un barbecue au gaz. Qu'est-ce qu'elle fait la dame ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Et coucou ! Et coucou ! Mais je vous ai pas abandonné, hein. C'est juste que je suis malade. Je crois que ça fait 5 jours que je suis malade. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé entre temps. Pendant ce temps, on a fait Yosemite, très très joli. J'ai pas du tout filmé, j'avais vraiment pas la tête à filmer. Déjà, je me suis pas forcée à faire les activités, mais je voulais pas manquer ça. Genre, c'est peut-être un truc que je vais faire une fois dans ma vie, c'était hors de question pour moi de rester dans la voiture ou de rester dans la chambre d'hôtel. On a fait une petite rando pour aller voir un lac. Arrivé au lac, il y avait pas d'eau. Après, juste après, on allait à Death Valley. L'hôtel, c'était une sorte de ranch, c'était trop trop cool. On allait voir le lac de sel à Death Valley, c'était super beau. On a vu aussi ces aquarelles palettes. J'ai pu, mais je vous mets des photos. On est où ? On est à Flagstaff et c'est pas trop loin de Grand Canyon. Et petite péripétie, on change d'Airbnb, mais il y a que 2 salles de bain, dont une qui est dans une chambre. Du coup, ça casse un peu les couilles. Du coup, on change d'Airbnb, mais on va se rapprocher de la zone de Page, Lac Powell, pour demain. Donc ça, c'est cool. Et demain, on va faire de l'hélico. Là, ça fait 3 jours qu'on tape des 5-6 heures de route par jour. Donc on est un peu fatigué. On a hâte de se poser. Du coup, là, aujourd'hui, le programme, c'est Grand Canyon, plus arriver à l'autre Airbnb, du coup. Petit barbecue et on se barre. Non, Baptiste, c'est grave un chef cuistot. Ouais. Et t'as vraiment un bon didou, toi. Regardez, on a mis même le t-shirt. On dirait qu'on va donner à manger aux chiens. Hé Loïc, c'est quoi ça ? Parmigiano. C'est pour tout le monde sauf Julien. Reggiano. Ouais. Je veux une soufflette de parmesan dans les yeux. Mais avant de foirer mes pâtes, je vais d'abord faire ça. Et pourquoi t'en mets ? Y'a pas de soupe ? Si. Là. C'est bon ? À table ! Mmh. Bon, c'est le seigneur. On dirait à manger pour les chiens. Non. Bah ouais, bah mange pas alors. Moi je vais vivre mes bails. Je suis pas très bien. Je vais faire de moi quelqu'un en particulier. Attends, s'il te plaît. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bon ? Moi. T'es dans ce groupe de mots ? Moi. Attends, j'ai posé. Non, c'est pas après. Je voulais vous montrer un peu la petite ville où on était, parce que c'est super mignon. Regardez les maisons. J'adore. C'est très kiki. Et pourquoi tu lances des pommes de paix ? Vas-y, essaye. Je vous ai même pas montré nos voitures de location. Il y en a une qu'on a louée avec Turo, et l'autre, on l'a louée avec Sixte. Parce qu'on avait un petit problème avec Turo. Nous, on a vu plein de Bambi. Et moi, j'ai surtout eu chaud du élan, en vrai. Ça, tu le survoles en hélico, tu pétales. Ouah, putain. Ouah. Oh, waouh. Ici, face au monde. J'aime pas cette phrase. Très bien.
maison est divisée en deux. Ouais, il y a moyen. J'ai l'impression qu'il y a une porte d'entrée là-bas, non? Tout ce que je sais, c'est que je vais me coucher, moi. Et toilette de chat, on va se coucher. Hein. Non, pas toilette de chat, jamais piler le trou de cul. Quoi? Hein? Putain, on est en plein milieu de la cambrousse, hein. Y'a des snakes ici, hein. Oui, attention. Attention, parce que moi je suis en tong et ils vont s'attaquer à mes pieds en premier, hein. Parce que vu comment ils sont. Non, mais c'est sûr qu'il y a des snakes ici, hein. Regarde, Loïc est prêt à en découdre. Ouais, Loïc en a marre. Faut activer ça. Ah, y'a une chambre ici. Ça, c'est la double chambre. Ça, c'est la grande chambre. Là, y'a une salle de bain. Et buanderie. Encore une buanderie, putain. Et oh, les tailles. Ouais, c'est énorme. J'aimerais trop avoir des machines comme ça. Une chambre d'ici. C'est quoi? Placard. Salle de bain. C'était une salle de bain à gauche? La cuisine. Oh, ils sont immenses. C'est trop beau. Ça, c'est la master, ça. Donne sur le jacuzzi qui est là. On va regarder l'extérieur. Oh, c'est sûr, il n'y a pas de vis-à-vis. Hein. Oh putain, ouais. Oui, là-bas, il y a le jacuzzi. Je vais voir s'il est chaud. Il est immense, le jacuzzi. Waouh, c'est chaud, ça. C'est gelé. Ah, frérot, ouais, pas du tout. Je vais couler, jour. Oh. Ah ouais. Elle est pas très grande, la dame, là. Ouais. Posé ici sur un bout de caillou. On est où? La vue, elle aurait pas pu, elle aurait grave le vertige ici. Ouais. C'est incroyable. Hein. Coucou. C'est incroyable. Trop beau, c'est génial. Imagine, il se casse là. On est dans la merde. Il est ultra voilà, bêche. Elle est où la team loser? Elle est où la team loser? La team loser, elle est où? Je sais pas, ta gueule, je sais pas. Exodus, je crois. On a vu des hélicos. Bah ouais, je pense que. Et on en avait plein. Vous mangez? C'est des potatoes avec du fromage. Ça a l'air trop bon. Si, vous avez déjà mangé du coup là? Ou ça, c'est l'apéro bande de cochons? Sa vie. Hein. Je vais voir. Oh, merci. Pas beaucoup, hein. Bon. Énorme, bon. Allez, pas grave. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, hein. Oh putain. C'est tout ce que j'aime. Vous avez vu quoi, alors? Alors, Choubaix, du coup, la Poelle, Glen Canyon. Et après, on s'est posé pendant 15 minutes sur un rocher. C'est bien plus beau, hein. Ouais, ouais. C'est toi qui as pris la photo? Regardez-moi, je n'aime pas. Nous, on l'a moins bien vu. C'est toi Pinterest, en fait. C'est beau, alors, si je mets le temps. Oh putain, j'ai vu après. Prends le bien, s'il te plaît. T'as de ces panards, Baptiste? En fait, je t'ai dit que c'était toi Panini, mais c'est du Panini. Hein. C'est du harcèlement quand même. Je suis du 46, ça va aller. Ah bah, c'est des Panini. Bon, ça se joue du coup. Hein. Vous êtes deux Panini. J'ai pas un front qui ressemble au porte-avions Charles de Gaulle. Aïe aïe aïe. Je trouve pas que j'ai un grand front, mais bon. Ce soir au repas, carottes râpées, concombre. Tu fais quoi, toi? Attends, les chutes. Toi, de toute façon, t'es vivre en communauté. Je peux te tenir le plat. Oh, ça sent tellement bon le poivron. Un bout de viande qui est tombé. Sur la palissade là-bas. Tu peux pas fouiller, gros con. Il y a des ours aussi. Hein. Ouais, moi je donne à manger au coin. Bah, que là, quand il va croquer le mollet demain matin, tu vas voir qu'on va rigoler. Ouais. Le mollet. Le mollet, ouais. Après, il n'y a pas beaucoup à manger dans ton mollet. Hein. Non, moi j'ai fait pas des gros mollets. Ouais. Baptiste et Loïc, ils m'ont dit que j'avais une piste d'atterrissage. Bah non, il est tout petit ton fou. Bah ouais, je sais pas pourquoi ils disent ça en fait. Allez, à poser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il...
Oh là là, les cons, putain. Oh, je voulais vous montrer un truc génial que j'aurai chez moi plus tard. C'est un énorme bac à glaçons. C'est génial. Je montrerai le bac à glaçons. C'est une invention tellement folle. Ta gueule. Arrête. Non. Je suis en chaussette, je vais glisser. Non, un mec qui regarde par la palissade. J'ai une tête qui dépasse, tu vois. Ouais. Ou alors juste on est tous là et puis d'un coup je vois sur un point genre à la tête. Genre y'a un sniper, tu vois. Non, moi c'est plus là, on est tous en train de parler. Moi je veux juste un mec qui fait tac dans la maison. Ça c'est grave badant. Okay, they're full. Yep. Take them out to here. Il est incroyable. Il résiste trop mal. Après, il y a des gens. La meuf, elle a collé sur sa caisse. Plus tu me colles le cul, plus je roulerai lentement. Le truc, c'est immense. Un jour, je t'emmènerai à New York, si tu as plus de tête. Un jour, j'irai à New York avec toi. Et du coup, nous, c'est Bella Joe. Ouais, c'est ça. Qui est ici. Je veux vivre ici juste pour ça. Tu nous invites ce midi juste pour ça? Oui, c'est ça. Non, j'ai pas dit ça. Bah si. Allez. Plie tes jambes. Plie tes jambes. Voilà. Voilà. Plus en arrière encore. Par contre, ça là-bas, ça me fait flipper. Mais le truc avec ses jambes là. Ah ouais, mais j'ai eu trop peur en arrivant. Bonjour Lolo. Ah, si ça va. Ça va et toi? Ça va. T'es habillé en chef d'État? Allez, va là-bas. C'est un plaisir de vous voir. Et ça te va bien la moustache, hein?
Là, je monte les toilettes. Ouais, vas-y. Ils sont marrants. Ok. Ah. Ici, c'est la salle cinéma. Regardez, là, c'est le salon. Cuisine ici. La petite salle à manger ici. On a une pièce de stream. C'est trop bizarre. Après, on a une première chambre ici. Là, une deuxième chambre. Il n'y a toujours personne. Une chambre, regardez, il y a une salle de bain communicante ici. Ah, il y a quelqu'un qui se lave. Deuxième chambre ici. Ouais. Celle-là, elle est très cocooning, en vrai. Très belle. Là, on a une première chambre, c'est un peu la suite. Le bain est gigantesque ici. Hein. Voilà, ouais, parce que ce soir, en fait, vous avez vu en Corse. En Corse, j'avais contacté une sorte d'enseigne qui s'appelle Take a Chef pour trouver un chef à domicile pour cuisiner, pour faire un repas. Et là, ils m'ont contacté genre il y a 3 semaines avant le voyage pour me dire si je voulais réitérer l'expérience. Et grave chaud, parce que c'était trop bien. En Corse, c'était incroyable avec Chef Kevin. Et là, c'est pas Chef Kevin, c'est Chef Kess. Toi, juste pour des événements, vous allez sur l'appli, vous sélectionnez le jour, l'heure, etc. Ils vont vous donner plusieurs propositions de chef et vous choisissez lequel vous correspond le mieux. Et du coup, là, c'est l'extérieur. Là-bas, on a la piscine, jacuzzi, il y a un sauna ici. Là, ici, on a un barbecue avec un four à pizza. Et là, je vous montrerai, il y a 2 chambres, c'est où je vais dormir. 2 chambres et une salle de bain. Tu pourrais plus t'habiller, s'il te plaît. Ça, c'est pas une tenue, peut-être. Ben non, frère, t'es en slip. Un peu slip à qui, tu crois? Imagine, moi, je m'habille comme ça. Mais non, c'est une tenue, ça. mais c'est pas une tenue, ça. C'est pas un slip, c'est pas un slip. Ouais, c'est un dégât. Freddie Mercury, il est avec toi. C'est vrai que t'as un air. Hein. Okay. J'adore Freddie Mercury. So this is carne asada empanada. It has olives, cheese, and marinated beef on the inside. There's cogita and cilantro on top, and then there's also avocado lime. Enjoy. Thank you. Thanks. Thank you. C'est excellent. C'est excellent. Ça change de garnement. Guess, sorry. What is this? That's salsa verde. C'est une green salsa. C'est un peu spicy. Regarde à l'hôtel au Django, il m'a dit. Tiens, vraiment trop. Non, en fait, ils sont installés comme ça. Arrête. Moi, ça sent un peu diesel. Avec en deux temps. Ça sent un peu un deux temps. Ils étaient pas ici. Yes. Les tomates, elles s'arrachent. Ça pique, ça va. T'as vu, on dit une banane. Ah, j'aime pas trop la banane. Bon, pourquoi j'étais toi? J'ai marre d'un gosse. Thank you. C'est quoi, ouais? Ça remboursera. On dirait qu'on a arrêté de partir. Qu'est-ce que tu fais, toi? 369 euros. Tu sais qui nous a mis du Top Gun dans les vidéos? Ouais, tu peux me le dire. Parce que tu sais qui nous a mis du Top Gun dans les vidéos? Putain, tu vas me le dire. Mais le pilote, il nous a mis du Top Gun dans les vidéos dans les comme dans les films. T'aimes bien ma tenue, Lolo? Non. Quoi? Parce qu'elle est pas. Bah non, pas du tout en fait. T'es même pas habillée. Je suis habillée pour ici. En France, non, je suis pas habillée. T'es là pour bah ouais, calme. Toujours. La moindre des choses. Faire sur son. J'aurais été malade 2 semaines de vacances aux États-Unis. Stop. Tu as pété la forme. Ah, mais oui, c'est sûr.
Ça va vite, c'est un chouïa. T'as servi ça? Ah, c'est bon. C'est de la part 3. Qui dans l'histoire avec ton léopard? C'est léopard ou guépard ça? Non, 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 demandons à la communauté. C'est léopard ou guépard? Moi, je suis léopard. Répondez en commentaire. Ah. Attends, faut que j'en remette. C'est bon ou pas? Vraiment.